Après ces échanges extrêmement intéressants, première partie des matinées, un deuxième panel qui est tout aussi prometteur, qui est même un peu impressionnant pour moi de présider, par son titre d'abord, Fondement et avenir du droit et de la justice, difficilement plus large mais aussi plus fondamental, et aussi évidemment par les personnes qui vont venir se succéder ici à la tribune que je présente brièvement, voilà qui est dans la justement. Nous rejoint. Trois orateurs que je vais présenter rapidement avant de leur laisser à tour de rôle la parole. Le premier, et non des moindres, est évidemment le professeur Jacques Chevalier, professeur émérite de l'université Panthéon-Assas. C'est un auteur incontournable en théorie générale de l'État. Il développe des analyses au carrefour du droit et de la science politique. Il fait vraiment le lien entre les politistes et les juristes, et les administrativistes en particulier. Il a développé des réflexions passionnantes sur l'État postmoderne. Certains de vos devanciers étudiants en théorie du droit ont d'ailleurs lu une grande partie de cet ouvrage, qui est bien connu ici à Saint-Louis. Il a beaucoup écrit également sur le service public et évidemment sur l'État de droit. J'ajouterai qu'il a également beaucoup publié sur la notion de doctrine, qu'il distingue soigneusement science juridique, et aussi plus récemment avec Daniel Lochac, sur la place des juristes dans l'espace public, ce qui aussi pourrait évidemment nous donner l'occasion de réflexions passionnantes, même si ce n'est pas exactement le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Notre deuxième orateur dans l'ordre de présentation du panel, c'est Alain Papon, notre ami suisse, un grand ami du séminaire interdisciplinaire d'études juridiques, ancien du master européen en théorie du droit et aujourd'hui professeur ordinaire à l'université de Lausanne. C'est un philosophe du droit et de méthodologie juridique. Il s'est avec le temps, et si j'ai bien compris hier, à l'insu de son plein gré, dit-il, spécialisé en philosophie du droit de l'environnement. Il est notamment le fameux concepteur de la théorie de l'abduction en droit international privé. C'était sa thèse, essai philosophique sur les qualifications juridiques de la subsomption à l'abduction, l'exemple du droit international privé. Il dirige, en collaboration avec son collègue et ami Dominique Bourg, la collection Développement durable et innovation institutionnelle aux Presses universitaires de France. Et il a écrit notamment avec cet auteur une série d'ouvrages, co-dirigé une série d'ouvrages sur les questions liées à la pensée écologique. Et enfin, last but not least, Paul Martens, président émérite de la Cour constitutionnelle, un orateur hors pair, comme les deux précédents d'ailleurs, professeur émérite de l'Université de Liège et de l'Université libre de Bruxelles, anciennement avocat et puis juge au tribunal de commerce, conseiller d'État, membre et président de la Cour constitutionnelle. C'est une étoile particulièrement brillante dans le ciel belge de la théorie du droit et plus généralement dans le paysage juridique. Il a ébloui des générations d'étudiants par de magistrales leçons qui ont donné lieu à une série d'ouvrages, je cite notamment Théorie du droit et pensée juridique contemporaine, ou un autre ouvrage qui personnellement m'a beaucoup marqué, Le droit peut-il se passer de Dieu, pour l'interrogation, où il pose vraiment la question de la place, d'une possibilité de penser le droit et de faire fonctionner le droit sans un minimum de transcendance. Il reste très actif. Est présent dans les combats du quotidien. Il s'est ainsi récemment fendu d'une charge véritable contre les visites domiciliaires, un débat brûlant en Belgique actuellement, hein, en vue de débusquer dans les domiciles privés d'éventuels migrants illégaux, en dénonçant l'inconstitutionnalité avec évidemment toute l'autorité que lui confère son statut d'ancien président de notre Cour constitutionnelle. Donc, je remercie vivement ces trois auteurs de nous faire l'honneur et l'amitié de leur présence. Et je cède immédiatement la place à Jacques Chevalier. J'ai besoin d'abord de dire combien je suis heureux de me retrouver dans ces facultés Saint-Louis. Je suis venu souvent pour des séminaires, pour des colloques, et j'en étais toujours ravi. Je trouve que les échanges ont toujours été extrêmement stimulants. Il y a quelques années, finalement, je ne suis plus revenu. Il y a eu une période faste dans les années 80, je crois, 80-90. Je l'ai vu vraiment très très souvent, et ce sont des gens qui ont toujours été très stimulants.
heureux aussi de venir, évidemment, pour cette rencontre d'hommage à François, auquel je suis lié depuis de nombreuses années. Nous essayons hier de trouver depuis combien de temps. Moi, je disais 30 ans, sans doute plus de 30 ans, le commencement des années 80, pour de multiples occasions, dans de multiples lieux, nous sommes rencontrés et les échanges entre nous ont été toujours extrêmement utiles, extrêmement fréquents. Nous travaillons sur des sujets relativement différents, mais séquents. Et la rencontre a toujours été vraiment très, très intéressante. Donc je suis, je veux dire, lié à François par une véritable complicité intellectuelle et par des liens de très profonde amitié que je voulais rappeler au point de départ. Pour cet hommage à François, donc, j'ai abordé à nouveau la question de l'état de droit, la question qui nous intéresse tous les deux, la question qui nous est chère à tous deux, mais à travers une question brûlante, c'est-à-dire les menaces que fait peser sur l'état de droit la montée en puissance partout, d'ailleurs, de la thématique sécuritaire. Voilà, et c'est le titre de ma communication pour cet ouvrage, « L'état de droit au défi de l'état sécuritaire ». Alors, partons de l'idée que la sécurité est au principe même de l'institution de l'État. La fonction primaire de l'État, c'est d'assurer la protection des personnes et des biens contre les menaces de toute nature. On sait que cette scène de la sécurité est au cœur des problématiques du contrat social, quelques représentations qu'on se forme de cette théorie du contrat social. Dans tous les cas, c'est l'idée que l'état de nature ne peut pas apporter la sécurité aux hommes, d'où la justification de la fondation de l'État. L'État, dans toutes les fonctions essentielles, vont être du même coup découler de cette problématique de la sécurité. Par rapport à ça, la construction du système de l'état de droit s'inscrit dans le droit fil apparemment de cette vision. Puisqu'elle constitue, François le soulignait dans son dernier ouvrage, À quoi sert le droit, il disait « L'état de droit, c'est l'expression d'un ordre social stabilisé reposant sur un climat de confiance génératrice de sécurité juridique. » Et donc, l'état de droit contribue à renforcer la sécurité juridique, donc une nouvelle pièce dans cet édifice de la sécurité. Donc, a priori, l'état de droit, c'est une déclinaison supplémentaire du principe de sécurité sur lequel s'est appuyée la construction de l'état moderne. Je dirais, cette vision est trop simple. Et trop simple, pourquoi ? Parce que la sécurité, ici, avec l'état de droit, n'est plus seulement pour l'état un principe d'action, mais une contrainte qui va peser sur l'exercice de ses missions. Et donc, du même coup, une tension latente existe entre ces deux aspects, tension qui renvoie d'ailleurs à la problématique classique, à la dialectique classique entre liberté et sécurité. La sécurité ne saurait être ramenée à cette seule dimension juridique, elle comporte des exigences propres, et justement ces exigences propres peuvent venir contredire, voire subvertir, c'est la question posée en ce moment, les principes de l'état de droit. C'est l'idée donc que l'équilibre entre état de droit et sécurité est un équilibre précaire, un équilibre variable suivant le contexte politique. Et justement, me semble-t-il, tout se passe comme si cet équilibre était en voie de redéfinition, comme si cet équilibre était peut-être appelé à connaître une mutation, une inflexion beaucoup plus durable. Et c'est ce que je voudrais voir de manière assez rapide, en montrant d'abord comment l'émergence d'une raison sécuritaire conduisant à renforcement des prérogatives de l'État dans une série de domaines va conduire au développement d'un droit d'exception, un droit d'exception jugé indispensable pour faire face aux menaces les plus graves, mais encore et plus profondément à un infléchissement de la rationalité juridique elle-même. C'est ce que j'évoquerai dans un troisième point. Premier point, donc rapidement, car c'est bien connu, l'émergence d'une raison sécuritaire. La conception de la sécurité, telle qu'elle prévaut dans les sociétés libérales, bien entendu, repose sur des fondations plus anciennes. Je renvoie aux analyses bien connues de Michel Foucault, notamment celle qu'il a développée dans son cours au Collège de France en 1977-78, l'idée qu'une nouvelle économie du pouvoir dominée par l'idée de sécurité avait émergé à la fin du XVIIIe siècle à travers l'essor de dispositifs de protection, de contrôle et de régulation
visant à minimiser les risques liés au milieu. Pour Foucault, la sécurité, je cite d'ailleurs, c'est l'envers et la condition même du libéralisme. Les dispositifs sécuritaires s'inscrivant dans ce que Foucault appelle la gouvernementalité libérale, qui serait donc la contrepartie, le contrepoids des libertés. C'est la problématique de Foucault, qui donc renvoie à une période ancienne au cours du XVIIIe siècle. Alors, cette raison sécuritaire dont je parlais tente, à mon sens, à modifier cet équilibre en donnant à l'impératif de sécurité une portée nouvelle. Portée nouvelle en quoi ? Allons vite. La société contemporaine peut être considérée comme une société du risque. Je renvoie ici aux travaux bien connus de Ulrich Beck. Société contemporaine, donc, marquée du sceau de l'insécurité. Je vais vite sur ce plan-là. On sait qu'il y a toute une série de menaces nouvelles liées au développement des sciences et des techniques qui réapparaissent sans cesse, le développement des flux transfrontières entraînant ce que Beck appelle la cosmopolitisation des risques, bien connu avec toute une série d'illustrations sur lesquelles je passe. Un sentiment latent d'insécurité qui va prendre une force nouvelle dès l'instant où il va se cristalliser sur les atteintes aux personnes et aux biens qui touchent aux fondations même de l'ordre social. Augmentation du phénomène de la délinquance et formes nouvelles prises par la délinquance, une sensibilité sociale nouvelle à ces actes, puissamment entretenus par les médias, je vais vite sur ces points qui sont bien connus, augmentation des comportements violents, augmentation de ce qu'il est convenu d'appeler des simples incivilités, je vous renvoie aux travaux de Sébastien Rocher. Sentiment d'insécurité qui a évidemment été considérablement renforcé dès l'instant où s'est cristallisée la menace d'attentats terroristes. Il faudrait insister beaucoup sur ces attentats, mais parce que ces attentats ont pour objectif avéré de susciter la peur vers un climat de terreur au sein de la population, et notamment en jouant pleinement sur la caisse de résonance des médias. La menace terroriste est donc une menace latente, omniprésente, chacun craignant d'être pris un jour pour cible, donc créant un état d'anxiété collective permanent. Contexte d'insécurité qui génère donc une demande toujours plus importante de protection adressée à l'État. L'État va donc être amené, au nom de la sécurité, à étendre ses responsabilités. Étendre ses responsabilités sur toute une série de domaines. Les responsabilités de l'État sécuritaire couvrant désormais un très large spectre, allant de la lutte contre les incivilités à la lutte contre le terrorisme, très large spectre, très largement ouvert. Et au-delà même, d'ailleurs, de la simple protection de l'ordre public, l'État va être amené à mettre en place des dispositifs destinés à faire face aux risques de toute nature, santé, alimentation, environnement. En France ont été mises en place des agences de sécurité sanitaire, environnement, aliments, etc. Faire face donc aux risques de toute nature auxquels les individus sont désormais confrontés. Cette extension des responsabilités de l'État entraînant toute une série de conséquences en ce qui concerne la configuration même de l'État, l'impératif sécuritaire entraînant le déplacement des équilibres de pouvoir au sein même de la machine étatique, je n'ai pas le temps d'y insister, entraînant l'affaiblissement corrélatif du Parlement, une autonomisation croissante des services en charge de la sécurité. Cette extension des responsabilités de l'État entraînant aussi une inflexion de la relation de l'État au corps social. L'État voyant ses actions, parce qu'elles sont justifiées au nom de la sécurité, assorties d'un bien fondé de principe. Donc l'État sécuritaire dispose d'une dynamique propre de développement, et c'est justement cette dynamique de développement qui risque de contredire certaines exigences de l'État de droit et ce qui est traduit par le développement d'un droit d'exception au nom de l'impératif sécuritaire. Donc, deuxième élément, le développement de ce droit d'exception. La raison sécuritaire pousse à apporter deux types d'exceptions au système de l'État de droit. D'une part, la mise à l'écart temporaire de certains principes juridiques en vue de surmonter des situations de crise grave, et d'autre part, l'application durable de règles juridiques dérogatoires pour faire face à des périls permanents. Donc il y a deux variantes de ces contextes d'exception, deux variantes de ce droit d'exception renvoyant à des contextes différents, mais qui
peuvent être tout à fait conjuguées et intervenir, comme on le voit en France, comme on l'a vu en France, de manière successive. Un mot tout d'abord sur ces mesures d'exception. L'idée selon laquelle, dans des circonstances exceptionnelles, il est nécessaire de permettre aux gouvernants de s'affranchir du cadre juridique normal. Et cette idée-là, ce n'est pas une idée nouvelle. On sait qu'elle a été présente dès la République romaine. Elle a traversé les siècles avec la question récurrente qui est posée. Est-ce que ces mesures d'exception sont compatibles, cet état d'exception temporaire, est-ce qu'il est compatible avec les exigences de l'état de droit? Est-ce qu'il se constitue en dehors de l'état de droit, ou est-ce que cet état d'exception peut être encadré par l'état de droit lui-même? Cet état d'exception, dans tous les cas, étant prévu, souvent organisé par les constitutions elles-mêmes, sous des appellations extrêmement diverses. Ces régimes d'exception donc existent depuis longtemps, mais ils acquièrent dans le contexte sécuritaire qui prévaut désormais une portée nouvelle en devenant l'un des instruments auxquels les gouvernants n'hésitent plus à faire appel dès l'instant où la sécurité des personnes et des biens paraît gravement compromise. Le recours donc à un droit d'exception tendant à se banaliser. Relevons que le terrorisme n'est pas le seul moteur de cette évolution. On rapporte souvent ça au développement du terrorisme. Illustration en France, on connaît ce système en France sous l'appellation de l'état d'urgence. Or, l'état d'urgence a été introduit en 1955 en relation avec les événements d'Algérie. Il a été utilisé dans des contextes qui n'avaient rien à voir avec le terrorisme. En 1985, pour faire face à des troubles en Nouvelle-Calédonie, et mieux encore, en 2005, pour faire face à des troubles dans les banlieues. Donc l'état d'urgence étant mobilisé par rapport à ces situations qui n'avaient rien à voir à ce moment-là avec le terrorisme. Donc on constate que ces situations d'exception, ces pouvoirs de crise sont utilisés dans tous les pays, il faudrait faire un état des lieux comparatif, dans des contextes extrêmement variés. Reste effectivement que l'impact du terrorisme a été sensible. Relevons qu'au départ, les actions terroristes n'ont pas été combattues par des mesures d'exception. Par exemple, quand la France a connu les premiers attentats terroristes dans les années 80 et 90, on n'a pas besoin de recourir à l'état d'urgence. On a fait l'application du droit normal. Et puis, une forme nouvelle prise par le terrorisme à partir des années 2000 ont conduit un certain nombre de pays à y recourir. La Belgique faisant, si je ne me trompe pas, exception à cet égard. Exception, à mon avis, pour le moins louable. Donc l'exemple, bien sûr, emblématique, c'est l'exemple du Patriot Act de 2001, mais qui a été, par exemple, en France, à partir des attentats de novembre 2015, c'est la mise en application de la loi d'urgence sur l'état d'urgence, alors que les premiers attentats terroristes n'avaient pas eu le besoin d'utiliser ce texte. Alors, ces dispositifs sont censés n'avoir qu'une vocation temporaire, mais on a vu leur application prorogée au motif de la permanence des attaques. Ça a été le cas du Patriot Act. Et en ce qui concerne l'état d'urgence, qui a été donc déclenché en novembre 2015, il a fait l'objet d'une série de prorogations successives. Une série de prorogations successives pendant 2 ans, jusqu'à l'application de la loi dont je veux dire un mot de octobre 2017. Alors, bien sûr, la question c'est, la menace terroriste étant appelée à durer, ces dispositifs, ces mesures d'exception auront tendance à se perpétuer et on risque dès lors de glisser à ce qu'on peut appeler un état d'exception permanent. C'est ce que nous avions dénoncé d'emblée au moment où l'état d'urgence a été déclenché en novembre 2015. Donc nous avons appelé un certain nombre des juristes à dénoncer cet état d'exception qui risquait de devenir permanent compte tenu de la permanence de la menace terroriste. Sur ce plan, nous n'avons pas été entendus comme pour le texte suivant dont je vais parler dans un instant. Au-delà de ces mesures d'exception, la lutte contre le terrorisme va passer, et c'est plus important parce que là vraiment durable et permanent, par l'adoption de règles spécifiques. Règles spécifiques qui sont distinctes du droit commun, mais qui plus encore vont déroger à certains principes de l'état de droit. L'idée, donc, selon laquelle il convient de réserver un sort particulier à la question du terrorisme, cette idée s'est imposée
progressivement dans tous les pays. En France, c'est en 1986, le point de départ, c'est en 1986, suite aux premières vagues d'attentats dont je parlais, sera adopté un premier texte spécifique qui définira la notion de terrorisme. Alors jusqu'en 1986, il n'y avait pas de texte spécifique concernant le terrorisme. Les attentats du 11 septembre vont ensuite donner une... relancer cette dynamique au nom de ce qu'on appelait, ce que George W. Bush appellera la guerre contre la terreur, donc la lutte contre le terrorisme justifiant l'adoption de législations dérogeant à l'état de droit au nom de la sécurité. Le Patriot Act non seulement va être prorogé, mais est devenu la règle du jeu normale en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. 2001, des lois comparables vont être adoptées dans la plupart des pays libéraux fin 2001 et constamment renforcées depuis ce moment-là. Un nouveau durcissement des législations s'est produit à partir de 2013 compte tenu de l'avènement de l'État islamique, du nouveau terrorisme d'inspiration djihadiste. Je passe sur le contenu de ces textes, vous connaissez bien le contenu de ces textes, qui comporte les mêmes dispositions essentielles en ce qui concerne les différentes mesures applicables aux actes du terrorisme. Relevons donc, en ce qui concerne la France, puisque je citais le cas de la France, donc l'état d'exception a été prorogé à 6 reprises, jusqu'à ce qu'on adopte une loi permanente, finalement reprenant pour l'essentiel ce qui était inscrit dans ces lois d'exception sur prise au titre de l'état d'urgence. Quelques correctifs mineurs, un certain renforcement du contrôle du juge, mais le dispositif s'inspire pour l'essentiel des textes précédents sur l'état d'urgence. Et c'est la loi du 30 octobre 2017. Là encore, nous, juristes, avons réagi. Plus de 250 juristes ont pris position pour dénoncer les atteintes durables, cette fois-ci, à certains principes de l'état de droit. Une fois de plus, nous n'avons pas été entendus. Ce qui d'ailleurs me fait penser un petit peu à la prise de position des juristes américains en ce qui concerne l'aviation du juge Kavanaugh. 250 juristes américains ont pris position contre cette désignation, parmi eux Michel Rosenfeld, Berman et bien d'autres grands juristes. Ils n'ont pas été entendus non plus. Ce qui prouve que la force de frappe que nous les juristes avons sur le terrain politique est une force de frappe assez limitée quand même. Et c'est peut-être malheureux. Donc cette législation antiterroriste apparaît clairement comme un droit d'exception. Un droit d'exception, et d'ailleurs qui a tendance à se diffuser en dehors du domaine du terrorisme. En France, c'est très clair. Ces dispositifs s'étendent dans une large mesure à ce qu'on appelle la criminalité organisée. Et donc il y a un effet de diffusion des mesures dérogatoires prises au nom de la lutte contre le terrorisme. Mais au-delà même de ce droit d'exception, la promotion de l'état sécuritaire conduit à une inflexion plus en profondeur encore du droit. Ce sera mon troisième et dernier point, le droit saisi par l'impératif sécuritaire. Et ce que je veux dire par là, c'est que la raison sécuritaire ne justifie pas seulement le recours à un droit d'exception. Elle exerce une influence plus générale et plus profonde sur le système juridique lui-même en conduisant à de nouveaux équilibres. L'impératif sécuritaire se traduisant, à mon sens, d'une part par le renforcement des dispositifs juridiques visant à la protection des personnes et des biens, mais encore et plus encore à la surveillance des comportements individuels et collectifs pour prévenir théoriquement ces attaques. Souci de protection d'abord. La raison sécuritaire poussant à donner toujours plus d'importance à la répression pénale. La réponse pénale est conçue comme un moyen privilégié de protection contre l'insécurité. On va donc assister à toute une série de phénomènes tout à fait significatifs. L'extension constante du champ de la répression pénale, augmentation du nombre des infractions, des comportements déviants ou de simples incivilités qui étaient jusqu'alors tolérés vont être réprimés pénalement. On va assister au durcissement des politiques pénales, aggravation des peines encourues, alourdissement des peines, entraînant l'explosion corrélative de la population carcérale. Les conséquences induites sur la prison sont évidentes. Certains allant jusqu'à dire du même coup que l'état sécuritaire se présentant comme un état pénal utilisant pleinement les ressources de la procédure pénale. Je vous renvoie au livre de Didier Fassin qui le montre bien. Et cette place centrale dévolue au dispositif pénal en tant que garant de l'ordre social, rempart contre l'insécurité,
contrastant avec la conception traditionnelle, Yves Carpuvels en a parlé dans certains de ses travaux, la conception traditionnelle d'un droit pénal dont le champ d'application était circonscrit, les incriminations définies et les peines mesurées. Nous avions, dans un livre collectif, le droit pénal postmoderne, insisté sur sa dérive progressive du droit pénal traditionnel, du droit pénal dit classique, vers un droit pénal nouveau, et qui, avec ces différents éléments que j'indique. Plus encore, cet impératif sécuritaire conduisant à un infléchissement du droit pénal par l'accent mis non plus sur l'idée de culpabilité, mais sur l'idée de dangerosité. Ça, c'est un mouvement lourd du droit pénal actuel. L'idée de prévenir des comportements à risque à l'aide de la mesure pénale. Et donc, une réponse pénale reposant de plus en plus sur une logique d'anticipation. Essayer de, non pas sanctionner l'infraction commise, mais essayer de prévenir l'infraction redoutée. Et ça, toute une série de dispositifs témoignent de ce glissement vers ce qu'on a pu appeler un droit pénal du danger, et qui contraste complètement avec la conception du droit pénal classique. Donc une stratégie anticipatrice, prédictive, préventive, c'est en tendant qu'au-delà même de la question de l'ordre public, à l'ensemble des risques, on peut considérer à cet égard que le principe de précaution, dans ses différentes déclinaisons, est sous-tendu lui aussi par cette idée de sécurité, l'État étant amené à utiliser l'instrument juridique pour prévenir la réalisation de dommages dans un contexte d'incertitude scientifique. La logique sécuritaire pousse donc l'État à tenter de prévenir toujours plus en amont les facteurs de risque, et du même coup, de la notion de protection, on glisse tout naturellement vers l'idée de surveillance. Principe de l'idée de protection, on glisse au principe de surveillance. Au nom de la sécurité vont donc être mis en place des dispositifs de surveillance visant à prévenir les atteintes à l'ordre social et politique, dispositifs qui vont conduire à instaurer une surveillance de masse, une surveillance de masse s'étendant à l'ensemble de la population et poussant très loin la logique intrusive. Et à cet égard, l'essor des technologies numériques va évidemment donner à cette logique de surveillance une portée toute nouvelle, collecter une masse toujours plus importante de données, grâce au big data, et opérer les croisements nécessaires pour extraire les informations pertinentes. Donc ces technologies étant utilisées en tout premier lieu à des fins sécuritaires, en dehors des autres fins commerciales et autres que vous connaissez. Les communications électroniques étant devenues un des points tout à fait privilégiés d'application de cette logique de surveillance. C'était déjà la section 215 du Patriot Act qui l'a conduit à mettre en place aux États-Unis un système d'interception des données mises en ligne de très grande ampleur, que le Congrès a ensuite légèrement modifié ce dispositif dans le Freedom Act de 2015. Mais des programmes comparables avaient été mis en place dans tous les pays, notamment en France. La loi sur le renseignement en France de 2015 comportant toute une série de dispositifs s'inscrivant dans cette logique-là. Plus généralement, ces technologies numériques offrant la possibilité de concevoir des programmes de sécurisation prédictive basés sur le croisement des données, essayer de prévenir la commission de crimes ou d'infractions. Et la police prédictive, hélas, a un grand avenir devant elle, notamment aux États-Unis, identifier les terroristes potentiels, mais identifier aussi les délinquants potentiels. L'espace urbain étant évidemment un terrain de choix grâce aux caméras de surveillance pour essayer de prévenir les comportements anormaux. Et juste une parenthèse, ce qui se passe en Chine actuellement est l'illustration paroxystique de cela, comment les caméras de surveillance vont être utilisées ensuite pour repérer les croisements et assurer un contrôle total sur la population dans un scénario qui évoque assez singulièrement Orwell. Voilà ce que je voulais résumer brièvement en ce qui concerne ma communication. Alors, entendons-nous bien, l'émergence d'un État sécuritaire dans lequel la sécurité est mise au premier rang des préoccupations, n'implique pas pour autant la fin de l'état de droit. Ne caricaturons pas mon propos. Un ensemble de garde-fous existe, notamment évidemment dans les pays se réclamant du libéralisme, pour éviter des dérives trop sensibles. Néanmoins, il me semble que ce que j'ai évoqué très brièvement, le développement d'un droit d'exception,
l'inflexion, la normativité juridique produit bien un nouvel équilibre entre liberté et sécurité. Alors, n'oublions pas que, donc ce n'est pas la fin de l'état de droit, n'oublions pas que l'état de droit a une histoire. L'état de droit est le produit d'un équilibre historique. Et l'état de droit est un concept et une théorie qui n'est pas figée, donc qui évolue de manière constante en fonction de l'évolution du contexte social et politique. Donc, est-ce qu'on est entré dans une nouvelle étape de cette évolution de l'état de droit? C'est une hypothèse qui peut être effectivement formulée. Voilà les différents éléments que je voulais évoquer pour rester dans le contingent de 20 minutes qui nous était alloué. Voilà, merci beaucoup.